Après son retour à la compétition avec le Paris Saint-Germain, les tensions semblent s'être apaisées à Paris, tandis que le Real Madrid reste frileux à l'idée de s'offrir le Français. Il semble que Kylian Mbappé sera un joueur du PSG au moins jusqu'à l'été prochain, lorsque son contrat expirera, malgré des sources espagnoles qui affirment toujours le contraire. Foot Mercato affirme que Mbappé est sur le point de signer un nouveau bail de 3 ans avec le PSG, qui le maintiendrait sous contrat jusqu'en 2026, mais qui inclurait un gentleman's agreement qui lui permettrait de partir pour un montant convenu l'été prochain. Le conseiller sportif Luis Campos a été fortement impliqué. Si c'est bien le cas, cela l'empêcherait de rejoindre les Blancos, si l'on en croit les informations en provenance d'Espagne. Marca affirme que pour signer avec Madrid, le Bondinois ne doit pas signer de renouvellement et se présenter le 2 janvier prêt à signer un pré-contrat avec le Real. Le club espagnol ne veut surtout pas payer pour le champion du monde 2018. Il semble évident que si l'attaquant n'adhère pas aux conditions fixées par le Real Madrid, ce dernier devrait porter son attention ailleurs. L'été dernier, le Français a suscité l'embarras général en rejetant Madrid. Céder à nouveau à Mbappé établirait une dynamique de pouvoir en faveur du joueur.